C'est une intervenante, une journaliste de France 3 qui, quand j'avais 19 ans, était venue présenter son métier sur les bancs de la fac. À l'époque, j'étais dans un IUT, mais ça, on y reviendra plus tard. Et qui m'avait donné envie de faire ce métier-là. Donc voilà, ça me tenait à cœur de répondre positivement à cette invitation pour pouvoir partager avec vous autant que possible ma vie professionnelle pour voilà, et répondre à vos questions tout à l'heure. Donc qu'est-ce que l'Office de tourisme de Bordeaux? C'est l'Office de tourisme de Bordeaux Métropole, ben ça paraît évident à tout le monde. On est là pour, d'abord la structure c'est une association, mais l'objectif c'est de valoriser le territoire. Hein, donc Bordeaux Métropole. Et qu'est-ce que c'est qu'être coordinatrice des grands événements au sein de l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole? Ça se résume maintenant à l'organisation, et c'est pas rien, de Bordeaux Fête le Vin, et je vais y revenir. Auparavant, les coordinateurs précédents s'occupaient de Bordeaux Fête le Vin et de Bordeaux Fête le Fleuve. Pour le moment, on a choisi d'annualiser Bordeaux Fête le Vin depuis cette année. Pour des raisons essentiellement budgétaires, on va se concentrer sur cet événement. Mais en termes de charge de travail, je vous avoue que c'est suffisant. Mais en termes de... c'est des questions budgétaires, mais budgétaires pour nous, mais également pour l'ensemble de nos partenaires. Mais je vais y revenir. Donc qu'est-ce que c'est que coordonner des événements ? D'abord, il faut comprendre que quand on organise un événement... pour moi, c'est pas organiser une fête pour une fête. On est là pour véhiculer une image. Donc il faut d'abord essayer de comprendre qu'est-ce qu'on doit faire passer comme message. Donc nous, on doit valoriser le territoire, et le territoire donc, de Bordeaux Métropole, mais aussi notre territoire plus largement de la région, parce que nous sommes... la région est partenaire, évidemment le département est partenaire, avec Gironde Tourisme, avec le CRT, avec, enfin, on a de nombreux partenaires, et en particulier bien sûr Bordeaux Métropole, mais également la ville de Bordeaux. Donc on valorise le territoire, et j'y reviendrai, mais on valorise aussi les vins de Bordeaux. Notre partenaire principal, en dehors des institutions, c'est le syndicat des vins de Bordeaux, le CIVB. Donc l'objectif, c'est de valoriser à la fois les vins de Bordeaux, et c'est une des forces de notre identité, et en même temps de valoriser le territoire. Donc ça, c'est essentiel de l'avoir à l'esprit, parce que c'est ce qui guide toute l'organisation ensuite, toute la fabrication de l'événement. Parce que tout ce qu'on fait a du sens. Donc on est engagé dans une voie, on a été, enfin c'est pas moi qui m'étais occupée de ce dossier à l'époque, mais la fête est labellisée ISO 20121, en tout cas la gestion de la fête. Donc on est dans une direction aussi éco-responsable. Donc voilà, ça fait partie des questions de sujets de positionnement qui sont essentiels à comprendre avant de prendre en main la coordination et l'organisation de ce type d'événement. Ça veut dire que tout ce qu'on fait symbolise, reflète qui on est. Donc l'objectif, c'était de créer plus de proximité avec les viticulteurs qui viennent sur la fête au nombre de... ils sont plus de 1000 ou 1200 à participer à la fête. Donc l'objectif de cet événement, c'est de créer du lien et de leur permettre de rencontrer le public. Donc
à quoi ça ressemble Bordeaux Fête le Vin pour ceux qui n'y ont pas participé, parce que c'est pas forcément, quand je sonde les étudiants pendant les cours, tout le monde ne connaît pas Bordeaux Fête le Vin. Bordeaux Fête le Vin, c'est un événement d'abord qui a lieu physiquement sur les quais de Bordeaux, sur à peu près 1 km 200. Voilà, c'est comme un village, en bois, où on va faire comme une route des vins. Si vous voulez, la route des vins, vous savez ce que c'est quand vous allez de château en château et vous allez déguster des vins de Bordeaux dans les propriétés. Donc là, l'idée, c'est de retrouver l'ensemble des appellations du territoire sur cette petite route des vins sur les quais de Bordeaux, et d'essayer de créer, notre objectif, c'était d'essayer de créer un esprit village qui permette de créer de la convivialité, de la simplicité, parce que c'était important aussi de valoriser une image plus de proximité pour les vins de Bordeaux, parce que ils peuvent paraître élitistes quelquefois. Les vins de Bordeaux, ça n'est pas que les grands châteaux, même si heureusement c'est très bien qu'ils soient là, mais c'est important de valoriser l'ensemble des professionnels. Donc une route des vins sur 1,2 km à créer, donc c'est un village à fabriquer, avec évidemment plein de monde. Je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure les métiers qui tournent autour de cela. Et faire venir aussi des stands pour pouvoir manger quelque chose quand on est sur place, donc des food trucks, des bodegas, des producteurs. Et qui, ça, on travaille en partenariat avec l'Agence alimentaire Nouvelle-Aquitaine. Donc, l'objectif, c'est toujours, on est toujours dans ce positionnement régional, donc de valoriser les produits du terroir et des producteurs d'ici. Donc ça fait partie de nos engagements. Et on les répartit tout au long de la fête. On n'a pas d'un côté les vins, de l'autre côté la nourriture. Tout ça se mélange. On a au milieu aussi des scènes musicales avec des artistes qui sont pour l'essentiel des artistes du territoire. On a donc un programmateur qui vient pour nous aider, que j'ai trouvé pour nous aider à préparer tout ce programme de concerts. On a des animations pour les enfants, des animations pour les familles, des grands voiliers qui sont là pour... parce que l'histoire des vins est indissociable de celle évidemment du fleuve, mais c'est aussi un moyen d'attirer des familles, de faire venir du monde, de donner un petit côté spectacle, et ça nous permet aussi, et j'y reviendrai, de créer un contenu pour accueillir nos partenaires financiers, qui sont un des éléments fondamentaux aussi de mon métier. Donc mon rôle à moi, c'est de coordonner l'ensemble des acteurs de la fête, que je n'ai pas créée. Elle a été créée il y a longtemps, en 98, donc c'est pas tout frais, mais d'aller dans la direction qui m'a été fixée quand je suis arrivée au sein de l'Office de tourisme il y a un an, par la présidente de l'Office de tourisme, Brigitte Bloch, qui est vice-présidente de Bordeaux Métropole, élue au conseil municipal de Bordeaux, et qui est une professionnelle du tourisme. Et donc la direction, elle était très claire, elle était donnée également par notre directeur général, Olivier Occelli. Et l'objectif, c'était de suivre cette feuille de route avec ce positionnement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un positionnement très éco-responsable, plus éco-responsable que précédemment, essayer de casser un petit peu, pas casser, mais de poursuivre ce positionnement de festif de cet événement, mais essayer d'ajouter une dimension de proximité, un esprit village, plus d'éco-responsabilité. Donc, point par point, dans chaque détail de fabrication de la fête, dans le contenu, dans la scénographie, dans les temps protocolaires, dans l'ensemble de ce qui peut composer cette fête et dans tous les outils de communication, on a une seule direction qu'on s'est fixée, et partout, dans tout ce qu'on fait, c'est ça qu'on essaie de véhiculer. Donc c'est l'important pour moi, c'est de faire en sorte que ce soit présent partout, et d'aller dans cette direction en échangeant avec nos partenaires du CIVB, donc du Syndicat des Vins de Bordeaux, qui ont eux-mêmes
une direction de la communication, qui est notre interlocuteur principal, qui est co-organisateur un petit peu de cette fête finalement, qui est, puisque le directeur de la communication du syndicat des vins de Bordeaux est commissaire général de la fête, donc c'est eux le lien avec l'ensemble des viticulteurs. Donc l'ensemble des viticulteurs sont répartis par appellation, donc il y a toute une organisation. Donc on se réunit avec le directeur de l'office de tourisme, avec on a un chargé de sécurité, on a une agence qui nous accompagne, qui s'appelle, en ce moment c'est l'agence Côte Ouest, parce qu'on lance des appels à projets, des consultations, et on a une assistance. C'est l'agence Côte Ouest pour tout l'aspect logistique cette année, c'est eux qui ont remporté l'appel d'offres, parce qu'ils sont spécialisés dans l'événementiel. Donc tout l'aspect logistique, c'est Côte Ouest. Et on travaille tous ensemble pour coordonner l'organisation de cette fête avec la direction qui a été donnée. Voilà, mais on travaille également avec la direction de la communication de l'office de tourisme. J'ai recruté une... Enfin, pas recruté, parce qu'elle n'est pas... Elle n'est pas en CDI ni en CDD au sein de l'office de tourisme, mais on a une chargée de mission communication pour Bordeaux Fête le Vin, qui est en freelance, qui est une ancienne de Bordeaux Montaigne aussi, comme moi, mais ça c'est petit aparté. Donc une chargée de communication, mais elle est épaulée dans son travail aussi par toute l'équipe communication de l'office de tourisme. Il y a une direction de la communication avec Sophie Gaillard, mais il y a aussi évidemment un pôle presse avec l'attaché de presse, avec toute l'équipe qui s'occupe des réseaux sociaux, du site internet, etc. Donc on travaille vraiment main dans la main. Il y a en général un pilote sur chaque partie. L'idée, c'est de répartir par pôle un petit peu, et ça va faire sourire les étudiants que j'encadre en gestion de projet. Donc répartir les organisations par pôle pour pouvoir ensemble piloter l'avancée de la préparation de l'événement. Voilà un petit peu ce que je fais. Mais pour cela, je suis le budget, un budget qui est de plus de 2 millions d'euros. C'est pas qui est composé d'un tiers, je vous dis grosso modo, un tiers de fonds publics, donc conseil général, région, métropole et ville de Bordeaux, sans compter les participations des agents sur le terrain, hein, qui ne sont pas monnayés dans notre budget, mais qui, bien sûr, comptent, sont valorisables. Ensuite, on a un tiers de fonds privés, donc je m'occupe d'aller chercher les partenaires privés de cette fête, sans qui l'événement n'existerait pas. Donc il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'ils ont besoin de faire sur la fête. Est-ce que c'est une partie plus communication? Est-ce que c'est plus du réceptif pour pouvoir créer des liens avec leurs propres partenaires, etc., etc. Donc c'est un élément important que je suis moi directement au quotidien. Donc je suis en train de finaliser ce travail-là. Bien entendu, c'est un travail qui est un travail de relationnel, donc je mets en lien les directions, les présidents des entreprises avec notre présidente, notre directeur, et ensemble on se retrouve à des moments de convivialité pour pouvoir affiner les projets. Mais moi je travaille sur le contenu concret de leur participation, donc ça fait partie des éléments de mon métier aussi. Et enfin, on a une autre façon de financer cet événement, c'est la vente de passes. En fait, si vous voulez participer à la fête et déguster du vin, vous devez, en tant que participant, vous devez acheter un pass. Vous pouvez venir à la fête sans rien dépenser, hein. Vous pouvez venir vous balader, profiter des concerts, c'est complètement gratuit. Mais à partir du moment où vous voulez déguster du vin, et ça a été mis en place par mes prédécesseurs, et c'est très important, vous venez pas pour boire. C'est pas la fête de la bière, c'est vraiment l'objectif de déguster du vin. Donc il y a toute une politique autour de cela, sur laquelle évidemment on travaille avec le syndicat des vins de Bordeaux, parce qu'on est sur une consommation responsable
sur l'événement. Ce qui ne nous empêche pas de passer des bons moments, et ça reste très festif, parce que vous avez votre pass, vous avez droit à 11 dégustations. Donc ça reste quand même pas mal. Donc ça reste une fête. Voilà, donc nous, on fabrique les verres, on fabrique les porte-verres, on fabrique tout le système d'organisation de la fête. Donc là, on a cherché quel est l'objet qu'on allait pouvoir fabriquer. Parce qu'autrefois, les porte-verres, c'était des choses qui étaient fabriquées en Chine avec des matières qui étaient absolument pas responsables. C'est un petit exemple parmi tant d'autres. Mais ça y est, on a trouvé une solution fabriquée en Europe et qui rentre dans les budgets, parce que c'est après le consommateur qui doit... au travers de son pass, financer ce porte-verre, ce qui permet d'avoir les mains libres pour se régaler à côté, tout en gardant son verre autour du cou. Voilà, donc mon métier, c'est de coordonner l'ensemble des interlocuteurs, que ce soit trouver les interlocuteurs, et quelquefois, ou bien les coordonner et qu'on puisse... tous être d'accord, aller dans la même direction, quelquefois essayer de trouver des consensus quand on n'est pas d'accord, parce qu'il peut y avoir les uns qui ont envie de travailler dans une direction, d'autres qui ont une vision différente, et on essaie en tout cas de garder le cap de notre volonté de positionnement. Et voilà, pour donc l'année dernière, on a fait toute une scénographie, on a orienté Côte Ouest pour qu'ils fassent des choses, donc plus de bois, ça avait été décidé avant moi, mais qu'on a rajouté tout un tas de choses, des barriques, des fanions éco-responsables, des etc., etc. Donc vraiment véhiculer cette image de proximité, cet esprit village, c'est important. Et puis on a également organisé ce qu'on appelle des avant-premières, donc le week-end qui précède la fête sur les quais. L'important, parce qu'on est on est financé en partie par la métropole, et c'était très important de valoriser le territoire, d'organiser une partie de l'événement en dehors des quais. Donc on a organisé des concerts dégustation dans différents sites de la métropole, et également donc dans des lieux différents qui permettaient de véhiculer toujours cette image. Donc dans des jardins, dans le jardin du château des Iris à Lormont, dans un jardin secret en face du carré colonne à Saint-Médard. Et on va, donc l'idée, c'est de déguster autrement des vins en écoutant de la musique. Là, c'était des vins bio qui étaient présents pour venir faire déguster les vins, enfin des viticulteurs bio, pardon. Et il y avait aussi des food trucks qui étaient présents, des musiciens, enfin c'était des moments sympas en dehors des quais. Donc l'idée, c'est de pouvoir développer l'événement en dehors de cette localisation. Et puis on organise également une opération chez les restaurants et chez les cavistes, puisque c'est des partenaires incontournables du territoire, des vins de Bordeaux, et c'était essentiel de les associer. Donc on voilà, après on véhicule leur j'ai dépassé moi aussi. On peut plus s'arrêter quand on parle de notre métier, c'est plutôt bon signe, je crois. Voilà, mais ça vous donne un petit peu une idée de ce que je fais au sein de l'Office de tourisme. Et au sein de l'université, en deux mots, j'encadre des étudiants en gestion de projet depuis 5 ou 6 ans maintenant. Donc c'est des groupes de TD, on leur donne un peu carte blanche, pas tout à fait, mais avec un objectif de communication. Ça doit être des projets de communication pour véhiculer des projets qui leur tiennent à cœur, qu'évidemment je dois valider et qui, à mon sens, vont avec les valeurs de Bordeaux-Montaigne. Et ils ont 2 mois et demi pour les monter pour de vrai. Et chapeau à eux, parce que c'est pas facile, puisqu'ils doivent tenir compte de toutes les démarches administratives, voilà, s'adapter au lieu. Et voilà, ils font des beaux projets qui sont tous très engagés. Et voilà, c'est un bonheur de travailler auprès des étudiants, parce que je trouve que ça nous apporte beaucoup de... Moi, ça m'apporte beaucoup de fraîcheur. Et il y a un regard nouveau sur le monde, voilà, et ça fait plaisir pour l'avenir. D'abord, quelquefois, je me réveille la nuit et je me dis, oh là là, il y a ça. Donc, ma journée type, c'est
d'abord recentrer les informations, me refixer des priorités. Alors, il y a des rendez-vous qui sont calés, évidemment, longtemps à l'avance dans mon agenda. J'essaie de bloquer des créneaux pour pouvoir travailler aussi. Enfin, non pas que les rendez-vous ne soient pas des moments de travail, mais pouvoir faire avancer les choses et pas subir tout mon temps de travail dans la journée. Donc, je me garde toujours une petite demi-heure ou une heure le matin, quoi qu'il arrive, pour refaire le point et relire, regarder, checker mes mails vite fait et refaire ma liste, ma to-do, la mettre à jour, ma to-do de la journée et aller un peu plus loin. Recentrer, en fait, plusieurs fois dans la journée, essayer de reprendre un peu de recul. Et puis, en effet, il y a beaucoup de réunions. Beaucoup de mails, beaucoup d'écrits, de synthétisation des choses. Il y a du temps sur des budgets, il y a du temps d'organisation, de planification, de essayer de trouver, de fabriquer des outils pour optimiser l'organisation et ne rien oublier. Voilà, c'est... tout l'aspect communication et je dirais avec le temps devenu un petit peu instinctif. On travaille bien sûr à la relecture de documents, mais c'est pas moi qui les... Si, j'en écris, hein, j'écris les bilans, j'écris les outils de valorisation de la fête auprès des partenaires, j'écris aussi, mais voilà, c'est plus des outils de travail et ensuite beaucoup de réunions en effet. Alors, comme Laurie, je me suis retrouvée à Tech Deco. Alors pour moi, c'était pas finalement le côté commercial, c'était pas vraiment mon truc. Je suis allée là parce que je sortais d'une terminale plutôt scientifique, parce que ça m'intéressait. Il y avait des choses qui m'intéressaient, mais là, je me suis dit, mais dans un labo, j'avais voilà, c'était pas du tout ma voie en fait. Et un peu par hasard, en faisant ça non, finalement, les contacts, oui, commerce. J'avais pas vu communication, il n'y avait peut-être pas encore l'IUT communication à l'époque. Sinon, je pense que naturellement, je serais allée vers cette voie-là. Mais donc, je suis arrivée à Tech Deco, je n'ai aucun regret, c'était un des moments très intéressants. Mais bon voilà, j'avais pas la flamme commerciale peut-être. Et on avait des cours de communication qui étaient à l'époque, c'était Bernard Jenka qui était le directeur de Tech Deco, qui est aujourd'hui élu au Bousca, je pense qu'il l'est encore, qui donnait ses cours et ça m'intéressait beaucoup. Et ensuite, il y a cette journaliste de France 3 qui était intervenue. Et là, je me suis dit, super, ça a l'air top. Mais en parallèle, j'avais un groupe d'amis qui partaient en Irlande du Nord pour une troisième année après l'IUT. J'avais envie de partir à l'aventure avec eux pour une poursuite d'études. Et donc je ne m'étais pas orientée vers la communication, j'allais partir en Irlande. Et puis une histoire de vie un peu personnelle. Mon futur mari est tombé malade à ce moment-là, donc je ne suis pas partie. Je suis restée et finalement j'ai intégré l'ISIC et ça a été une révélation. J'ai trouvé passionnant les cours, l'ouverture d'esprit que ça nous apporte. Donc profiter de tous ces moments-là, je rejoins ce que disait Laurie tout à l'heure, c'était très intéressant, très enrichissant en termes de culture générale pour moi. Et puis là, j'ai rencontré, j'ai vu des professionnels, j'ai écouté les cours, et ce qui a été très intéressant, et c'est après, je trouve que c'est un peu des hasards, les hasards de stage. Je me suis retrouvée en stage à l'Office du tourisme des congrès de Paris, à l'Office du tourisme de Bordeaux. C'est étonnant, mais je ne suis pas restée très longtemps au service édition. Et puis j'ai passé 9 mois, 2 fois 4 mois, 4-5 mois chez Cartier, Piaget, Baume & Mercier, c'était au service relations publiques presse.
dans le luxe. Voilà, pour des raisons personnelles, donc c'était très enrichissant parce que c'est une rigueur de travail incroyable. Chaque détail compte, tout est millimétré. En revanche, ils ont des très gros budgets et ils passent beaucoup de temps sur l'organisation des événements avec des très grosses agences. Donc c'est une autre façon de fonctionner. Quand on arrive dans une collectivité après, ça fait très bizarre. Voilà, donc j'étais chez Cartier pendant ces deux fois 4 mois et demi, on va dire, parce que je cumulais stage et vacances. Enfin, je rajoutais mes vacances sur les périodes de stage pour pouvoir en apprendre un maximum. Et puis je suis revenue dans le sud-ouest parce que mon futur mari, toujours lui, qui est décédé depuis, était là et je voulais, voilà, on avait un projet commun. Et puis comme je ne connaissais pas beaucoup finalement l'univers professionnel de la communication dans le en Gironde, je me suis organisée pour faire un stage encore grâce à Pôle emploi. J'ai fait un stage dans une agence de communication qui s'appelle Passerelle. Et ça a été super, ça a été passionnant. À l'issue de ce stage, il n'y avait pas de poste à pourvoir, mais le réseau, c'est très important. Donc le réseau a fait que la directrice de l'agence m'a dit, mais tu sais, j'ai rien pour toi, néanmoins tu devrais te renseigner parce qu'Arcachon, il cherche quelqu'un. Il recrutait la directrice adjointe de la communication à la mairie d'Arcachon. Voilà, donc j'ai postulé, il y avait une agence de recrutement, ils étaient 150 autour de la table pour faire passer les entretiens. Enfin, c'était un truc lunaire, j'exagère, mais ils étaient 10. Petit test écrit, oraux, enfin c'était énorme. Et bref, j'ai été sélectionnée. Et c'était mon premier vrai emploi. Enfin, j'avais fait des petits jobs étudiants évidemment, mais en tant que professionnelle de la communication. Donc là, apprendre à rédiger aussi dans un journal municipal, apprendre à passer d'un sujet budgétaire à un sujet social, un sujet petite enfance, un sujet de relations presse, essayer de cerner les objectifs de communication des élus et tenir les délais de sortie des documents, réfléchir aux stratégies de communication. Travailler en équipe avec beaucoup de gens, donc ça c'est top, travailler avec les autres pour fabriquer un contenu. Et puis le maire a changé, et là je me suis dit, bon, service communication, je vais sûrement être débarqué, et puis finalement pas du tout. La nouvelle équipe avait besoin de s'appuyer sur des gens qui connaissaient un petit peu déjà le fonctionnement de cette mairie. Et puis j'ai continué à faire mon boulot au sein du service communication. Ils ont voulu développer des événements, et là naturellement je me suis retrouvée j'ai voulu participer. Ils faisaient des brainstorming et tout, donc j'ai participé à ça et j'ai proposé des idées, et on m'a dit ok, allez-y. Et puis c'était et j'ai monté un événement pour renouveler l'image des fêtes de la mer d'Arcachon qui existe depuis des lustres. Voilà, et remplacer un dîner protocolaire avec des huiles, on va dire des invités de trier sur le volet, par un pique-nique géant sur la plage. Voilà. Tout bêtement, c'était la mode à l'époque des fêtes du 14 juillet. Il y avait déjà une tendance comme ça. Donc, moi, ce qui m'a aidé, c'est peut-être ma curiosité d'observer ce qui se passait autour de moi, de m'intéresser à ces sujets. Et donc, comme j'étais sensible à ça, parce que j'organisais à titre privé des choses, j'avais organisé des différents trucs dans le cadre associatif de l'IUT et de l'ISIC. Et puis voilà, et ça s'est très bien passé, ça a bien fonctionné. Donc le maire m'a demandé de créer le service des événements d'Arcachon au sein d'une structure qu'il avait créée. Et voilà, et donc j'ai pris la direction d'un service événement d'animation à Arcachon avec une équipe que j'ai montée, et on a créé environ 10 événements par an. Des petits événements, hein, de quelquefois de 500 à 40 000 personnes, ce qui est plus petit que Bordeaux Fête le Vin.
mais qui étaient quand même des événements importants sur le domaine public. Ça m'a permis d'approcher les gens, de percevoir. Je connaissais déjà une partie des gens par le biais de la communication, donc j'essayais de cerner un peu leurs attentes et de proposer des projets qui pouvaient leur plaire. Donc voilà, pendant 20 ans, j'ai fait ça. Au bout de 20 ans, j'ai rejoint à Bordeaux et je regardais de loin la fête du vin, je me disais, ah, génial. À l'époque, il y avait Laurent Maupilet, ensuite Richard Coconnier qui a organisé cette fête, et je me disais, c'est génial, et je venais régulièrement, invité ou pas, profiter de cette fête, et je me disais, waouh, quelle organisation, c'est quand même énorme. Voilà, et je me retrouve à Bordeaux parce que, voilà, changement de route, je viens rejoindre mon conjoint, j'avais pas eu le quoi. Je m'étais posé la question de changer avant, parce que au bout d'un moment, quand on fait toujours les mêmes événements, moi ce qui m'intéressait c'était de créer. Au bout d'un moment, je me disais peut-être j'ai fait le tour et tout, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et puis il y avait toujours un renouveau, donc je restais, et puis peut-être toujours la peur du changement, on est bien quelque part, c'est difficile de changer. Et puis je me retrouve à Bordeaux pour rejoindre mon conjoint, et là je me suis dit, bon, jamais je trouverai du travail dans mon domaine d'activité qui est quand même une niche. Et donc j'étais en train de réfléchir à créer ma boîte. Donc j'étais partie, j'avais pris un coach pour m'aider à définir mon chemin, parce que j'avais plein de choses dans la tête qui se mélangeaient, et il fallait que, voilà, donc j'avais commencé à ce travail là et puis par hasard un soir, pour rester connecté à la vie professionnelle et pas sortir, alors je continuais la fac et ça c'était top, mais en même temps j'allais à des événements pro pour rester connecté à l'univers professionnel justement. Et un soir, un copain me dit, « Ah, tu as vu, il y a un poste pour organiser Bordeaux Fête le Vin, les grands événements de Bordeaux. Ah, ça te ressemble, tu devrais regarder. » Il me montre le poste. Et là, je me suis arrêtée parce que ça correspondait en plus gros à ce que je savais faire. Mais vraiment, la liste des missions, j'avais l'impression que je connaissais. Et pour je me suis sentie à l'aise de postuler. Alors que... auparavant, je me serais dit, mais non, en fait, c'est pas pour moi, c'est trop gros, je suis peut-être pas, c'est pas mon truc, c'est trop gros pour moi. Mais en lisant le profil, je me suis dit, ben, si, en fait, pourquoi pas moi? Voilà, et donc je me suis retrouvée, finalement, j'ai été sélectionnée, et depuis un an, je me réveille parfois la nuit, mais je suis passionnée par ce que je fais, et puis voilà, donc un peu le... mon parcours, avec la fac à côté qui permet de sortir aussi, de changer de cadre. Et ça, c'est vachement bien, parce que ça me nourrit d'autres choses. Voilà. Et je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais on dit que quelquefois, on ne se sent pas capable. On se dit, tiens, est-ce que je pourrais changer de lieu? Et finalement... Ça fonctionne, et les gens vous font confiance, et bon, après vous n'avez pas le choix que d'aller au bout, et voilà un peu mon histoire à moi. Mon conjoint est entrepreneur, et quand je vois Laurie, je me dis qu'il y a une autre forme de stress. Moi, j'ai la chance d'avoir un bulletin de salaire à la fin du mois. Et ça change aussi la donne. C'est un autre stress. Et je m'étais posé la question, je ne savais pas si je serais capable de monter ma structure, parce que c'est bien beau d'avoir des envies, mais de là à en vivre, c'est quand même pas évident. Donc je me dis que oui, c'est du stress, mais voilà, il y en a plein d'autres qui en ont du stress. Alors, pour ma part, je ne le gère pas encore assez bien. Je dirais que après quelques années à Arcachon, il y avait un rythme qui avait été pris. D'abord, quand j'ai démarré, j'étais
plus jeunes. Il y avait une espèce d'enthousiasme collectif. On était en train de tout créer ensemble. Il y avait une dynamique comme ça. On y va. Tout le monde me soutenait. On a besoin de ça. Ouais, ok, on y va. Comment on peut faire des économies? Alors, je vais trouver ça, comme ça, comme ça. C'était très, très partagé. Là, en arrivant ici, la structure était faite. Et moi, je devais comprendre, et je dois encore comprendre comment ça fonctionne, et monter dans un train à grande vitesse, ne pas, la première année, il y a un an, le train devait avancer super vite, il fallait pas que je pose trop de questions pour pas ralentir la machine, et en même temps, essayer de prendre la direction de la locomotive. Donc ça, c'est un exercice sans froisser personne, essayer de cerner comment tout fonctionne pour essayer d'amener le train en gare, même si je ne considère pas être heureusement que c'était pas que tout reposait pas sur moi et que derrière autour de moi il y a beaucoup de gens qui connaissent très bien l'événement et qui sont très investis pour réussir. Voilà, donc c'est vraiment un travail d'équipe. Mais il y a du stress à la fois dans la gestion des échéances et dans des enjeux relationnels pour essayer de bien fonctionner tous ensemble, de se respecter, d'écouter. Dans n'importe quelle structure, il y a besoin de collaborer. En tout cas, pour moi, c'est un aspect important. J'ai pas envie de fonctionner dans la douleur, des relations conflictuelles. Donc, ça fait partie des choses qui me font réfléchir. Voilà, je dirais que peut-être que je suis convaincue qu'après... il y a eu la première édition, donc c'est déjà plus facile cette année. Mais avec le temps, ce stress commence un peu à diminuer. La première année, j'ai pris 7 kilos, parce que je me ruais sur la nourriture quand je rentrais. Et puis là, ça commence à diminuer un tout petit peu. Non, mais ma vie n'est pas terrible. Hein. mais c'est d'un autre côté, quand j'arrive au bureau, je vois pas le temps passer. Je m'éclate. Littéralement. Donc, je veux pas véhiculer que surtout pas du négatif. C'est passionnant. C'est tellement passionnant que, moi après, je suis d'une nature très investie dans ce que je fais et j'aime bien les détails. Donc, à cette échelle-là, quelquefois, il faut s'éloigner des détails. Et c'est toute la difficulté, c'est d'arriver à faire confiance et bien comprendre quand est-ce qu'on peut faire confiance ou pas. Voilà, donc y a plein de choses à gérer. Alors j'ai essayé, je me disais, tiens, je vais marcher, ça me fait beaucoup de bien. Et puis là, j'ai discuté avec une amie qui me disait, mais remets-toi la méditation, c'est bien la méditation, ça évite de voilà, ça fait c'est intéressant. Mais je pense que le temps est vraiment un allié. Et donc je me dis que c'est une période, c'est de plus en plus doux, je suis moins en force. Cette année, je le sens. Mais bon, voilà, quelquefois, je me dis, qu'est-ce que je fais là? C'est compliqué. Je préférais être au bord du bassin en train de prendre des photos et être contemplative et regarder les oiseaux. Mais non, j'ai choisi une vie qui ressemble pas trop à ça.